Est-ce que t'as Fraps d'ouvert? Salut tout le monde, c'est Tritrix. J'ai eu un petit peu de difficulté à commencer l'enregistrement. Aujourd'hui, on est Exakin, on est sur Paladin. Je me dépêche avant que la partie commence. D'habitude, on fait tout le temps le mode de jeu donc, qui s'appelle Siège. Là, on a essayé un nouveau mode de jeu qui s'appelle Charge Explosive. On n'a aucune idée que c'est quoi. On vient de découvrir qu'il y avait des nouvelles maps qu'on connaissait pas. Et du coup, niveau 32, il y a plein de maps qu'on connaît pas. On s'est dit, vas-y, on va faire une petite vidéo. On connaît. What? Oh, je comprends quoi? C'est comme sur Overwatch, c'est juste que ça commence directement qu'il faut le transporter de l'autre côté. Tandis que eux sont à la défense, mais c'est pour ça que ça a été aussi long pour eux de. Ben, ça a été aussi long que la game commence en okay, fait. Ok, ils ont le temps de bouger eux. Oui, je crois que c'est ça. Ah, ok. En fait, vite pour vous expliquer parce que bon, hein. Voilà, je suis niveau 32, j'ai encore jamais joué avec ce mode de jeu-là, je connais pas les maps de ce mode de jeu-là, je connais absolument rien du mode de jeu. Et puis voilà, donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo pour, ouais. pour voir ça en live. J'en aurais fait une aussi. Parce que oui, maintenant les gens, je vais pouvoir faire des vidéos. J'ai reçu mon petit bidule pour pouvoir brancher mon micro. Et aussi, j'ai réussi à m'acheter les logiciels de montage et de tournage. Et donc, voilà, après presque un an. Un an, non plus, dix mois environ. D'absence sur YouTube, que rien ne sort sur ma chaîne. Et bien voilà, c'est chose faite. J'allais pouvoir retourner faire des vidéos seul de mon côté comme un grand garçon sans avoir besoin que Tritrix me tienne la main. Enfin. enfin. Oui, je suis. Oui, je suis maintenant libre. Oh! Et donc, d'ailleurs, si vous notez, c'est peut-être pour ça que mon son est légèrement différent à l'habitude, meilleur, du moins je l'espère, parce que j'ai mon casque. Et puis donc voilà, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, c'est toujours la même, Zakin Gaming. Ça va être dans la description, les gens. Voilà. Par contre, je sais pas si je vais avoir ressorti de nouvelles vidéos quand celle-ci sortira. Mais. Mais c'est pour très 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 bientôt. Combien t'es mort? Ah oui, t'es mort. Ah, mais j'ai l'impression de beaucoup plus aimer ce mode de jeu-là pour l'instant. C'est con, hein, j'ai joué 32 niveaux seulement sur un mode de jeu, je me rends compte après 32 niveaux que le deuxième mode de jeu est encore meilleur. Oui, mais en fait, pour l'instant, je l'aime bien parce que je suis pas mort une fois, mais... Moi, c'est parce qu'il y a plus d'action, en fait. Oui. J'ai l'impression vraiment, on dirait plus un MMO de Call of Duty que... Ah, voilà, quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, on a atteint l'objectif. Oh oui, mange deux, change de camp. Ah, c'est tellement beau. Ah, voilà, c'est ce que je disais, c'est comme sur. Ah, bon. Mais c'est tellement plus plaisant. Ah oui, mais on a perdu nos stats. Faut tout racheter. Apparemment. Ah oui, ça y est, c'est ouvert. Ah. Il y a comme un petit 10 secondes avant de. Ça allait ouvrir à 40 secondes. Mais c'est tellement plus plaisant, sérieusement, les gens, c'est la découverte du mode siège, du mode charge explosive. J'avoue qu'il est très qualitatif. Qualitatif. Je crois qu'on va même y jouer. Ben, on verra le nombre d'XP que ça donne à la fin. Je pense pas que ça change vraiment quelque chose. Ah, on sait jamais. Mais c'est très 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 plaisant. Vraiment, je découvre ce mode de jeu après 32 niveaux, mais c'est ultra plaisant. Là, je suis un peu loin de vous. J'essaie de couvrir les autres entrées. Je les vois pas. Est-ce qu'ils sont tous ici en fait? Ils sont tous là. Ok. Oh, on a encore. Oh shit. Ah, oh, wow, ok. Heavy à se téléporte, la conne. Oui, c'est sa principale caractéristique. Bon, je dis pas que je vais faire un gameplay de fou, hein, les gens. Je découvre le mode, puis surtout, il est 11h30 de soir, donc je suis claqué. Depuis quand est-ce que ça nous empêche de bien jouer ça? Ben, moi personnellement ça me claque. Oui, bon. Surtout, je reconnais pas les maps non plus. Putain, je vois où? On a découvert qu'avec ce mode de jeu là, c'était pas les mêmes maps. Du coup, je connais pas les maps. Je suis un peu perdu. Suis les rails. Mais je comprends pas. Le chariot, as-tu moyen de le ralentir, de l'arrêter? J'ai l'impression qu'il avance en tout temps. C'est comme. C'est comme dans l'autre mode en fait, il avance quand les joueurs sont à côté, mais il avance un peu plus vite étant donné que la map est beaucoup plus grande. Putain,
Putain, j'arrête pas de mourir. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de traîner le chariot que de le... Bah, c'est le mode de jeu. Ouais, ouais. Bon, on me dira. C'est chaud. Ouais. Ah, mais là, on tient mieux qu'eux, ils tenaient, par contre. Bah, clairement, il reste une minute. Il est vu dans votre dos. Ouais, je l'ai vu, mais... Ah, bon. Il est mort, toi. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai tué. Bravo. Donc... Ah, par contre, on les laisse pas du tout rien faire. Je fais pas une super de belle game, mais par contre, ils ont de la misère. Ah, ça va, là, je fais du 8-1. Ben, pour cette manche, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, c'est... Bon, ouais, non, les kills sont restés, par contre. Ah oui? Quel boss ça reste? Il va y avoir Cassie qui va essayer de nous prendre en avant. Ah non, d'accord, elle est toujours là. Ah, par contre, je suis sur le point de décéder. Je suis désolé, j'ai plus comme j'ai pu. Je vais essayer de m'occuper des vies. Non, ah, c'est la vie, moi, qui me court après, justement. Ah, je concentrais mon feu dessus, mais je l'ai raté, malheureusement. Ok. Yeah. Ah, oui. Oh, bah, on a gagné la game, en fait. Oui. Apparemment. Ah oui! Ouais. Ah, c'est quand même ultra cool comme mode de jeu. Ah oui, c'est... Ah, c'est plaisant. C'est plus rapide. C'est un peu plus détente aussi. Non, moi, ça je trouve pas par contre. C'est beaucoup plus rapide, justement, tu l'as dit. Tu viens de le dire. C'est plus rapide, mais c'est plus détente. Ça non, c'est plus rapide dans le temps d'une partie. Ouais. Mais non, le gameplay est un peu plus nerveux, effectivement. Moi, c'est les récompenses que je suis curieux de voir. Ah, c'est la même chose. Je vais attendre que ça s'affiche pour moi. Ah non, un peu moins quand même pour une bonne victoire. Bah, après, on fait moins de kills aussi, là, je veux pas dire, mais on fait beaucoup plus de kills que ça, habituellement. Ah, t'as pas tort. Une game en siège, on peut faire jusqu'à 30 kills, facile. Là, regarde, on est tous à 8, 10, le maximum c'est 11. T'as raison. Non, c'est un mode de jeu qui est spécial, honnêtement. Moi, j'allais tout le temps ici, je cochais seulement en siège. Là, on a fait l'inverse, c'est assez cool. Oui. Ouais, franchement, c'est un mode de jeu que je vous conseille. Moi, je l'ai découvert à fucking 32 niveaux, j'avoue, je suis assez déçu. C'est... Quand le mode siège vous gave, vraiment, le mode charge explosif peut vraiment faire une détente vraiment très posée. C'est cool. Honnêtement, c'est très très cool. Puis voilà, c'était juste une petite découverte du mode charge explosif. Peut-être qu'on vous fera d'autres vidéos sur ce mode. Et donc, on arrête la vidéo ici, Tritrix? Yep. D'accord. Eh bien, écoutez, tout le monde, n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne si, bien sûr, les vidéos sont sorties. Vous avez vu comment il fait sa pub? Oui, je me permets. Moi, je suis une pute comme ça. Et donc, suce mes abonnés. Ah oui, moi, je suis là pour vous sucer. Donc, maintenant, donc, je vous souhaite peace tout le monde et à la prochaine. Et j'espère... Venez sur ma chaîne, les gens, je vous aime. Oh, comment qu'il t'en manque d'amour. Allez, les gens, allez voir la description pour sa chaîne. Yeah. Ah, merci. Peace tout le monde. Peace.